ne savez pas voir quand il fait des efforts. Vous ne savez pas voir à quel point il essaye de se mettre en cadre pour vous. Et du coup, il a la sensation que vous n'êtes jamais satisfaite. Et ça, c'est terrible pour un homme. Parce que, au fil du temps, il va en avoir de moins en moins envie et il vous donnera moins. Et vous, au bout de compte, vous vous étonnerez. Vous vous direz, mais je comprends pas, au départ il était comme ci, et puis au final, il ne le fait plus. Bref, vous serez un peu perdu, mais encore une fois, vous n'aurez pas en vous les bonnes clés. Vous relevez quand il se trompe. Vous rendez dans un endroit, il s'est trompé de direction, vous lui dites. Il a loupé quelque chose, il s'est planté sur un sujet. Ben, vous n'oubliez pas, vous ne loupez pas vous et vous lui rappelez. Toutes ces choses-là ne sont pas faites en votre faveur. Alors, pour que certaines ne se méprennent pas, je ne dis pas que l'on ne peut pas dire la vérité. Je dis simplement que parfois, il est inutile de mettre les pieds dans le plat et ça n'a aucune incidence positive pour la suite. Ce n'est pas parce que vous lui faites remarquer que lui va pouvoir changer. On fait changer les gens en les encourageant, non pas en les réprimandant. La loi de l'attraction est un sujet qui vous intéresse et vous aimeriez en apprendre plus. Manifester l'amour dans votre vie est aussi quelque chose de très important pour vous. Eh bien, j'ai décidé d'organiser une webconférence inédite, Attirer l'homme de mes rêves énergétiquement. Je pense que cette conférence va très certainement vous intéresser. Pour en savoir plus, rien de plus simple. Cliquez dans le lien de la description ou cliquez dans le lien de la bio et je vous partagerai ces fabuleuses informations.